Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes le chef de file de l'UFR. Le FNDC va compte organiser une manifestation demain contre le projet de troisième mandat, contre le changement donc de la Constitution. Vous êtes le président de l'UFR et donc membre du FNDC. Comment vous préparez cette marche? C'est bon d'apporter cette précision. Nous sommes membres du comité de pilotage du FNDC. Comme en son temps, le parti politique dont Alpha Condé, on était membre du comité de pilotage des forces vives, qui là aussi était dirigé par la société civile. Donc nous préparons la marche de demain dans le même esprit pour faire comprendre à nos compatriotes qu'ils doivent sortir massivement pour affirmer leur opposition à toute réforme constitutionnelle ou à l'introduction de toute nouvelle constitution tendant uniquement à proroger le mandat de Alpha Condé. De votre côté, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour la bonne tenue de cette marche? Vous avez vu que nous avons marché le 24 avec centaines de milliers de personnes. On n'a pas cassé un œuf. Donc nous demandons à nos gens d'être aussi disciplinés pour démontrer à ceux d'en face que chaque fois qu'il y a une perturbation comme ce qu'on a connu ces derniers temps, c'est de leur fait. Sinon, nos militants, les membres de la société civile, les Guinéens opposés à cette idée de troisième mandat, ont marché le 24 sans anicroche et nous leur demandons de refaire la même chose demain. On sait que la possession funèbre des jeunes, des 11 jeunes tués en marge des manifestations appelées par le FNDC les 14, 15 et 16 octobre dernier, a été émaillée de violence. Il y a même eu encore 3 jeunes Guinéens qui ont été tués. Mais à lire le communiqué du gouvernement diffusé hier dans les médias d'État, et le gouvernement parle justement que le gouvernement dit que ces jeunes ont été tués en dehors du périmètre de ces possessions funèbres, de ces obsèques donc. Comment vous, l'UFR, vous réagissez à ce communiqué du gouvernement? Écoutez, moi je suis juste peiné, je suis attristé. Je suis un Guinéen, on ne parle pas de la mort de ses compatriotes de cette manière-là. Quel que soit l'endroit où on a tiré sur les gens pour les tuer, c'est déjà assez grave. Ce qui s'est passé hier, nous avons quitté la clinique, l'hôpital sino-guinéen, dans une procession qui était parfaitement ordonnée et où il n'y avait absolument rien. On a même les services d'ordre qui cadraient les gens. Et arrivé vers Bambeto, compte tenu du nombre de gens qui étaient là, il y a quand même 11 corps. Ça fait beaucoup de parents, beaucoup de sympathisants. 11 corps sur 14, n'oubliez pas qu'il y a eu 2 morts à Mamou et un à Marella. Donc, beaucoup de monde était là. Ce que nous avons vu, c'est une provocation délibérée des forces de l'ordre pour perturber la cérémonie qui était en train de se faire. Donc, là où on les a tués, là où on ne les a pas tués, ça, ce n'est pas la question. Je trouve ça d'ailleurs assez déplorable dans la mesure où il y a déjà 11 morts. Vous ne pouvez pas, au moment de venir enterrer ces gens-là, trouver les moyens d'en tuer encore 3. Voilà. La communauté internationale a réagi par rapport aux dernières violences qui ont émaillé les obsèques de ces jeunes tués en marge des manifestations appelées les 14 et 15 et 16 octobre dernier. Et comment vous réagissez à cette sortie de la communauté internationale? Mais ça clarifie le débat. Nous sommes passés devant une ambassade comme celle des États-Unis et de là-bas, je pense que tous ceux qui étaient même dans la cour ont vu ce qui se passait. La violence, on sait d'où ça vient. Ceux qui sont partis pour enterrer, il n'y avait qu'à voir la manière dont on était habillé pour aller là-bas. Nous pensions que selon les us et coutumes de notre pays, quand il y a un décès, vous vous habillez en blanc, vous allez accompagner les corps
vous allez à la mosquée pour prier sur les corps, ensuite on les enterre, exactement dans ce cadre. Ceux qui ont voulu semer la pagaille pour s'en prendre aux leaders, ainsi de suite, c'était quelque chose de préparé, c'était prémédité, et c'est vraiment déplorable pour la Guinée. Il y a une centaine de jeunes qui ont été tués depuis l'arrivée du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, au pouvoir. Jusque-là, aucune lumière n'a été faite. Est-ce que vous, en tant que président de l'UFR, vous avez espoir que justice leur sera rendue un jour? En tout cas, pas avec ce régime-là, puisque apparemment, on peut encore tuer des gens parce qu'on va essayer d'enterrer ceux qui l'ont été avant. Donc, aujourd'hui, nous sommes à près de 125 morts. Vous savez, quand nous sommes sortis contre l'armée ici en 2009, pour les mêmes raisons, le refus de la confiscation du pouvoir. Nous l'avons fait avec le RPG. J'étais au stade. Je peux même vous dire que quelqu'un comme Tidiane Traoré a une balle qui a frôlé sa tête. Il y a eu 150 morts. Aujourd'hui, on en est à 125, la part d'un président qui a été élu pour éviter ce genre de choses. Écoutez, on s'interroge. Il faut faire en sorte que tout cela ne continue pas et que chacun puisse assumer ses responsabilités le moment venu. Des journalistes, dont un de guinematin.com, ont été victimes de violences physiques et verbales au siège du RPG Arc-en-Ciel ce week-end. Comment vous réagissez à cela? Je trouve ça totalement normal. La liberté d'opinion, nous l'avons, de presse, nous l'avons obtenue au temps de Conté en 2005. Je crois que tout le monde en a profité, y compris tous les partis politiques. Donc oui, si un journaliste ne partage pas votre point de vue, écoutez, parlez à celui qui parle votre point de vue. Et sur l'autre, là, vous pouvez ne pas lui parler, mais je veux dire que c'est un comportement inacceptable et inqualifiable. Il y a une dérive qui est en train de se faire. Et moi, je dis au RPG, vous êtes un vieux parti, ressaisissez-vous et pensez à l'avenir de ce pays-là. Un être humain ne peut pas faire en sorte que tout ça soit jeté aux orties, simplement pour des problèmes comme ceux que nous avons à gérer en ce moment. Donc, le fait que les gens ont des opinions différentes des vôtres ne peut pas être un cas de, je ne sais pas moi, déclencher les ires des uns et des autres. Donc, je déplore cela très fortement. Monsieur le Président, regardez les dernières sorties du président Alpha Condé dans les médias, dans Le Monde. On comprend aisément qu'il n'est pas prêt à reculer par rapport à ce projet de nouvelle constitution. Aujourd'hui, quel message vous avez à l'endroit de ceux qui le soutiennent encore, notamment les membres du gouvernement? Qui le soutiennent, je ne sais pas. Aujourd'hui, tout est confus. Il y en a qui soutiennent pour de l'argent. Nous l'avons vu pendant ces marches-là. Ceux qui devraient le soutenir sur le plan politique sont de plus en plus rares parce que le RPG comprend que son propre avenir peut être compromis par cette affaire. La sortie du président était une sortie malheureuse. C'est un aveu, disant « oui, moi aussi je vais aller tuer des gens, et puis ma constitution se mettra en place ». Vous savez, moi j'estime que c'est assez malencontreux, et les Guinéens ne reculeront pas pour autant. Le FNDC ne reculera pas pour autant. Nous allons nous battre pour que notre pays ait un autre destin que celui dans lequel on nous a entraînés, et qui est un destin sans école, sans route, sans hôpitaux, sans aucun bien-être pour nos populations. C'est notre aspiration. Et nous ne voyons pas de quelle manière ce gouvernement, après avoir eu à gérer le pays pendant 9 ans, peut prétendre nous dire que cela doit continuer sur les temps qui n'ont même pas été encore définis. Donc nous continuerons cette lutte. Bien sûr qu'il est libre à Alpha Condé de faire ce qu'il veut, mais il faut dire aussi que tout ne se passe pas de la même manière. Hein. Il y a la justice un peu partout aujourd'hui. Donc bon, nous sommes sereins. C'est la fin de cet entretien. Un dernier mot? Je demande à tout un chacun de faire en sorte que demain, nous puissions faire une marche du million encore à Conakry, et qu'on comprenne bien que cela représente la volonté de l'absolue majorité de nos compatriotes qui ne veulent pas voir ce gouvernement se pérenniser. Je demande à nos compatriotes de suivre le trajet qui a été indiqué et de démontrer avec force
Aujourd'hui, la seule chose sur laquelle 99% des Guinéens s'accordent, c'est qu'il n'y aura pas de troisième mandat. C'est que Amou l'en fait. C'est ça notre position. Merci, Monsieur le Président. Oba moya tine doya, ayo fola ina kalege.